Bienvenue sur le plateau d'Élysée 2017, en présence ce soir de Malone Roland, représentant de du Parti Socialiste, et de... Bonsoir, effectivement. Et de Sulio Barré-Maric, représentant de la France Insoumise. Bonsoir. Nous avons donc jugé particulièrement opportun à Élysée 2017 d'organiser un débat entre ces deux positions politiques, au vu de l'actualité brûlante du moment. Rappelons-le, Jean-Luc Mélenchon est candidat de la France Insoumise et est une candidature qui compte pour la course à la présidentielle en 2017. Et Monsieur Benoît Hamon vient d'être désigné par son parti, le Parti Socialiste, pour être candidat à l'élection présidentielle. Tout d'abord, petite mise en perspective. En novembre ou le 1er décembre, le président François Hollande a annoncé dans une allocution télévisée qu'il ne serait pas candidat à sa réélection. Et on s'est demandé à Élysée 2017 si cela témoignait du fait que son bilan était indéfendable. Monsieur Roland, le tirage au sort vous a désigné en premier, vous pouvez donc commencer à parler en premier. Alors tout d'abord, M. Benoît Hamon a été désigné non pas par le parti, mais par une primaire ouverte, tout de même. Merci pour la précision. Je pense que la décision de François Hollande de ne pas se représenter en 2017 n'était pas vraiment une décision, mais plus un concours de circonstances qui se sont imposées à lui, et aussi des forces en présence qui se sont imposées à lui. À savoir. En fait, le fait qu'il ne se soit représenté en 2017 est évidemment la conséquence d'un quinquennat où il n'a pas à la fois réussi à rassembler la gauche derrière lui, où la gauche elle-même n'a pas réussi à se rassembler derrière lui. Je pense qu'il y a une co-responsabilité dans cet échec. Et la naissance des Frondeurs coïncide une nouvelle phase dans le quinquennat de François Hollande avec un Premier ministre, Manuel Valls, beaucoup plus moins conciliant, plus intransigeant. Et c'est comme ça que finalement ça s'est passé. Voilà. Donc le bilan est défendable et la non-représentation à sa succession. Où finalement. Ça a été un quinquennat où les voix n'ont pas ont pu s'exprimer, même s'il y a eu l'utilisation du 49 alinéa 3 de la Constitution. Il y a eu des bonnes décisions, des mauvaises décisions, et finalement, le bilan est positif quelque part aussi, dans la mesure où François Hollande ne se représente pas et où Manuel Valls n'a pas été choisi. Je pense qu'on peut presque, d'une certaine manière, même si c'était un abus de langage, dire que le fait que ces deux personnes finalement ne soient pas présentes pour les élections présidentielles de 2007 font partie de ce bilan, du bilan de la gauche. D'accord, je vois. Monsieur Barré-Maric, même question. Je dirais pas que le bilan de François Hollande est indéfendable. Il est défendable. Il y a des choix politiques, économiques qui ont été faits, des choix pour donner une direction à la majorité présidentielle et législative, des choix auxquels je ne souscris pas, mais le problème de François Hollande, c'est qu'il s'est attaché un boulet au pied en promettant la version de la courbe du chômage. Qui n'est pas arrivé. Enfin bon, ils essaient de faire croire sur les derniers mois que c'est arrivé, mais bon, c'est pour des cas très très précis. On rappelle qu'il avait conditionné sa candidature au renversement. Voilà, il avait conditionné sa candidature. Bon, c'était un boulet mis au pied. Son impopularité est arrivée à un niveau record. Mais non, moi, ce que je vois plus, c'est à partir du moment où on ne veut pas défendre ce qu'on a fait pendant 5 ans, bon, il y a une espèce de forme de... Certains diraient que c'est bien de sa part. Moi, j'y vois plus une forme de lâcheté.
parce que voilà, enfin, ça paraît logique que quelqu'un qui a été au pouvoir pendant 5 ans défende son bilan dans un système où on a le droit de se représenter une fois. Je pense que ce serait quand même la moindre des choses. Et où c'est la tradition également. Voilà, bon après, dans la 5e République. Voilà, il a été trahi par Valls, il a été gêné par les frondeurs, mais ça c'est aussi sa faute s'il n'a pas réussi à tenir ses troupes. Normalement, un président c'est quelqu'un qui sait tenir ses troupes. Est-ce que quelqu'un aurait proposé à François Mitterrand de faire une primaire, sincèrement? Même à Lionel Jospin, non. Enfin voilà, François Hollande n'a pas su tenir ses troupes, alors que pourtant il les avait très bien tenues au sein du PS. C'est un des problèmes, mais moi j'y vois plutôt une dérobade et une façon de refuser de se faire juger par l'histoire et par les électeurs. Refuser donc de défendre un bilan pourtant défendable, mais décrié. Défendable parce qu'il a assumé ses choix. S'il assumait pas ses choix, s'il disait le CICE, c'est pas moi, c'est le Premier ministre, c'est le Parlement. S'il disait pareil pour la loi travail, mais non, il le défend totalement. Enfin, voilà, il a fait des erreurs sur lesquelles il a dit qu'il avait fait des erreurs, par exemple la déchéance de nationalité ou des problèmes comme ça. Mais ses choix économiques, pour lui, de son point de vue, ça se tient et il les défend. Donc pourquoi pas le défendre ce bilan devant les électeurs? Peut-être parce qu'il sait qu'il est mauvais dans le fond. Ou peut-être parce qu'il croit trop au sondage pour pas gagner. Mais n'empêche, il y avait une... Vous voulez réagir, monsieur? Il était défendable. Non. Enfin... Une courte réaction. De toute façon, même si... le fait de se représenter, c'est pas simplement pour défendre un bilan, c'est pour proposer une suite au projet ou... Pas quand t'es sortant. Quand tu es sortant, il y a quand même un bilan à défendre et dire je vais continuer dans telle voie. Non, mais ça, je pense qu'il avait défendu et en quelque sorte, voilà, c'est pas une décision, c'est quand même quelque chose qui s'est imposé à lui. La gauche lui a dit ton bilan, tu l'as défendu et en même temps, on n'est pas d'accord. Et donc voilà, il n'avait pas à se représenter. C'est pas une décision. C'est ce qu'on dit, c'est qu'il n'a pas réussi à tenir. C'est pas d'accord. Bon, je vais rester sur cette expression, il n'a pas réussi à tenir ses promesses, qu'on la cautionne ou pas, mais ça me permet de... J'ai pas dit ses promesses, j'ai dit ses troupes. Ses troupes, pardon. Ses promesses, hormis avoir essayé de faire croire aux gens qu'il allait combattre la finance, dans l'ensemble, ça se tient plutôt avec son programme. C'est les gens qui ont cru que son programme était ultra à gauche, alors que c'était pas vrai. D'accord. Bon, je ne peux donc pas rebondir pour passer à la deuxième question, mais nous allons tout de même passer à la deuxième question. En Europe et dans le monde... même si c'est beaucoup généralisé, les partis socialistes traditionnels se voient dépassés à leur gauche par des nouvelles formations politiques. On peut penser notamment à Syriza en Grèce, à Podemos en Espagne, et sinon dépassés, du moins concurrencés, et c'est le cas de la France insoumise à l'heure aujourd'hui. S'agit-il d'une... En tenant en compte, si vous les connaissez, les bilans de Podemos et de Syriza, notamment, hein, pour le contexte, on peut rappeler que le leader de Syriza, en la personne d'Alexis Tsipras, a accédé au gouvernement et n'a pas fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. En tout cas, c'est ce que les observateurs considèrent. Faut-il considérer, mais ce dépassement, cette concurrence de la gauche par une autre gauche, est-ce que c'est une nouvelle page de l'histoire de la gauche politique, de l'histoire politique tout court, ou seulement une parenthèse? Est-ce que vous pensez que le Parti Socialiste et ses équivalents ailleurs restera central dans le paysage politique? On va commencer avec Monsieur Barré-Maric cette fois. Je pense que bon, en Europe et en Amérique du Nord, parce qu'il ne faut pas oublier les États-Unis sur ce phénomène, il y a deux situations très différentes qu'il faut différencier. La première, c'est donc plutôt dans les pays anglo-saxons qui ont une espèce de tradition de bipartisme et pas de parti à la gauche, du parti de gauche traditionnel. Donc le Labour en Angleterre, le Parti démocrate aux États-Unis, là, le renouveau vient de l'intérieur du parti. C'est-à-dire, la primaire américaine a fait monter Bernie Sanders,
la primaire pour l'élection, enfin c'est pas vraiment une primaire, l'élection interne du patron du Labour a fait monter Jeremy Corbyn. Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire que la France n'est pas un pays bipartisan ? Bah non, parce qu'en France, il y a traditionnellement des partis à la gauche de la gauche. D'accord. Et donc, c'est ce qu'on, pas forcément des gros partis, mais c'est ce qu'on voit justement, c'est l'exemple de la Grèce. Il y a traditionnellement beaucoup de partis à la gauche du PASOK, traditionnellement, ça fait très longtemps, il y a le KKE, il y avait d'autres partis d'extrême gauche. Et Syriza, c'est un ensemble de partis qui s'est créé, qui s'est rassemblé depuis quelques années, mais qui existe depuis un moment. Hein. Podemos, ça a été beaucoup plus fulgurant, c'est que depuis 2014. Mais donc, il y avait déjà le Parti communiste, Parti communiste et les Verts qui étaient à la gauche du PSOE depuis longtemps. Et donc, oui, il y a une concurrence. Il y a une concurrence dans ces pays-là. C'est pas le cas partout, il y a d'autres pays où la concurrence vient de l'extrême droite, attention. Faut pas se tromper. Et donc cette concurrence, bah, pour l'instant, c'est très variable. Parce qu'au final, on voit qu'aux États-Unis, Bernie Sanders, il a perdu la primaire. En Angleterre, Jeremy Corbyn est extrêmement contesté à l'intérieur de son parti. C'est ce qui risque d'arriver à Benoît Hamon. C'est un équilibre à trouver. Donc un équilibre à trouver qui fait aussi perdre une partie des promesses de départ, hein, pour ne pas se tromper là-dessus. En Grèce, Syriza a dépassé le PASOK, mais parce que le PASOK s'est surtout effondré et que ses électeurs sont passés à Syriza. Mais au final, Syriza s'est retrouvé sur les quasiment aujourd'hui les mêmes positions que le PASOK et n'a pas réussi à réinventer la social-démocratie. Et Podemos n'a pas réussi, même en s'alliant avec le Parti communiste, à dépasser le PSOE. Donc pour l'instant, c'est très mitigé, mais c'est aussi sur du temps très... Là, on parle de quelques années. On parle depuis... La montée en puissance de Syriza, c'est depuis 2009. Mm-hmm. Mais cette montée en puissance va-t-elle se confirmer ou, à l'inverse, se dissoudre ? On peut pas dire ce qui va arriver. Votre pronostic, je suis pas là pour faire du... Si vous deviez choisir entre parenthèse ou mouvement de fond. Ouais, je pense qu'on est potentiellement en fin de cycle d'une social-démocratie traditionnelle en Europe. Je veux dire, et pour parler plus particulièrement de la France, bon, on est à la fin du cycle commencé en 1981. Là, on voit que le Parti Socialiste en est arrivé à une situation potentiellement de crise comparable à l'élection présidentielle de 1969 où il s'est retrouvé à 5% où il s'est retrouvé à 5% des votes. Il y a une perte d'identité à peu près semblable à celle de la SFIO. Bon, à l'époque, il a su se réinventer. En deux ans, il est redevenu un parti socialiste puissant. Et en 10 ans, il a réussi à bouffer le Parti communiste. Donc comme quoi, il n'y a rien qui est dit d'avance pour le Parti socialiste. Là, je dis qu'il est dans une position, et avec, bon, on voit un affaissement au niveau européen, même en Allemagne, même en Espagne, des partis sociodémocrates traditionnels. Donc on peut dire que la tendance est à la baisse pour les partis sociodémocrates. Certains à l'effondrement, certains à la baisse lente. On verra avec les élections en Allemagne aussi, ça nous donnera plus d'indices. Mais on ne peut pas dire à l'avenir ça va s'effondrer. Enfin, moi, je peux pas. Ce serait trop s'avancer. À l'heure actuelle, je ne peux pas dire qui entre Mélenchon ou Hamon sera devant la présidentielle. Enfin, je pense que personne ne peut dire ce qui va arriver. Et bon, pour les législatives, le PS a une base, mais on ne peut pas dire ce qui va arriver. D'accord. Ce serait très prétentieux de vouloir dire ils vont s'effondrer ou. C'est pas parce qu'on a envie qu'un parti dépasse un autre qu'on peut dire l'autre va s'effondrer. Non, ce serait trop facile, ça aurait marché plus longtemps. On comprend que vous en avez l'envie, mais on ne sait pas encore. Pas forcément l'envie, mais bon. D'accord. Monsieur Roland, alors avec cette expression fin de cycle notamment. Je suis d'accord avec l'analyse monsieur Gobert et Mike. Et sur son analyse, la question de savoir si. C'est une parenthèse, ou si c'est une. Quoi si c'est une Ou si c'est un mouvement de fond. Ou si c'est un mouvement de fond, c'est vrai qu'on ne peut pas y répondre, mais qu'il y a vraiment un renouvellement qui est en train d'avoir lieu dans la gauche. Et dans les gauches européennes, potentiellement. Ce que moi je constate en France, c'est tout de même une certaine tradition du centre. Par nos présidents et à l'Assemblée nationale, on a eu des présidents centristes et des assemblées nationales où soit le centre a gouverné ou bien le centre prenait une part prépondérante, voire sinon vraiment enfin, très importante dans les majorités. Pourriez-vous définir ce que vous appelez le centre ?
Valéry Giscard d'Estaing, Charles de Gaulle, étaient des centristes. Ils avaient... Charles de Gaulle, c'est un centriste. Il a des partis à gauche qui le soutenaient, des partis à droite qui le soutenaient, et son mouvement était avant tout centriste. Non, c'est un mouvement nationaliste droite, c'est pas... Non, on note l'objection de Monsieur Barré-Maric sur laquelle il reviendra. Non, c'est complètement faux. Il y avait des soutiens à gauche. Et nationaliste, certes, mais un nationalisme républicain et qui était aussi présent à gauche. Tu viens de dire que c'était uniquement de droite. Nationaliste de droite. Tu sais pas faire la différence entre Charles de Gaulle et le gaullisme. Le gaullisme, oui, il y a du gaullisme de gauche et du gaullisme de droite. Mais Charles de Gaulle est un homme de droite, c'est pas un centriste. Enfin, si on avait dit à Charles de Gaulle qu'il avait été centriste, je pense qu'il se serait marré, quoi. Enfin, c'est... En tout cas, c'était... Après, c'est un point de détail. C'était un exemple, donc... Je suis pas sûr que Charles de Gaulle ait forcément son opinion à donner là-dessus. Bon, sûr. Voilà. Quel impact a eu ce centrisme par rapport à notre question? Eh ben, ce centrisme, il a disparu après Valéry Giscard d'Estaing. Et d'accord. Ce qui fait trembler la gauche aujourd'hui, c'est que le centre réapparaît en la personne d'Emmanuel Macron. D'accord. Et donc forcément autour de ça, ça bouleverse les cartes. Ça a bouleversé les cartes, non seulement pour la gauche, mais aussi pour la droite. Aujourd'hui, il se pose la question de savoir si une grande partie du Parti Socialiste, enfin, les élus nationaux du Parti Socialiste vont rejoindre Macron, mais enfin, ce qui se sait aussi à droite, c'est qu'il y a aussi de plus en plus de sympathie pour Macron parmi les militants et parmi certains élus qui ne se retrouvent pas dans le programme très à droite de Fillon. D'accord. Voilà. Donc, si je comprends bien, plutôt mouvement de fond dans le sens où, si ça dépend du centrisme qui a existé puis n'a plus existé, là réapparaît, c'est, ça fait un peu une idée de cycle aussi, alors. Oui, mais... En comprenant que la division de la gauche et la concurrence intra-gauche est due, du coup, à un bouleversement des cartes à cause du centrisme. Mais on verra. Par contre, il n'a pas répondu à la question sur les partis à la gauche. Oui, c'était des exemples, ça. Après... Sur la droite. Ah oui, bah alors du coup, en tout cas, votre... j'ai répondu, j'ai dit avec sur quel point j'étais en accord avec toi. Vous avez parlé de la situation française, monsieur Roland, et c'est de la question portée sur la France. Les exemples étaient là pour illustrer, mais c'est vrai que du coup c'était le cadre franco-français, mais c'est aussi la question, il y a des spécificités nationales, donc Personnellement, juste pour faire rapidement, moi je pense pas qu'il y ait de culture centriste en France. D'accord. Parce qu'on a justement les pays qui ont une culture centriste, c'est les pays qui ont une culture du consensus, et en France on a une culture du dissensus en politique. D'accord. Eh ben je ne suis pas du tout d'accord. Vous allez pouvoir continuer sur cette thématique avec la question 3. Monsieur Barré-Maric, si vous pouviez vous approcher un petit peu. Bien sûr. Voilà. Alors, je voudrais savoir si vous êtes d'accord tous les deux, et du coup, oui, ça fait totalement le lien avec votre question, votre réponse, monsieur Roland, d'un glissement idéologique, en tout cas, sous le quinquennat de Hollande, qui a donc marqué le retour de la gauche au pouvoir depuis l'ère mitterrandienne, d'un glissement idéologique et dans les actes aussi de la social-démocratie vers le social-libéralisme, ce qui en termes d'échiquier politique irait effectivement dans le sens d'un rapprochement centrisme. Comment, en considérant ça, en fonction de si vous admettez ou si vous n'admettez pas, comment est-ce que vous qualifieriez l'orientation mélenchonienne? Idéologiquement, quels seraient les termes qui vous viendraient à l'esprit? Et s'agit-il de gauche irréconciliable? Beaucoup de questions, on va commencer avec monsieur Barré-Maric. Est-ce qu'il y a un glissement de la social-démocratie vers le social-libéralisme? Au sein du PS. Au sein du PS. Enfin... Oui. Oui, mais sans... Quand on voit aujourd'hui le résultat de la primaire qui ne correspond pas exactement au PS mais aux sympathisants PS, on voit que ça vote quand même encore plutôt à gauche du PS. C'est aussi peut-être parce qu'une partie de ces personnes qui n'ont pas voté cette fois-ci sont parties déjà chez Macron.
mais plus généralement qu'un glissement général, enfin qu'un glissement de la social-démocratie vers la droite, il faut plus y voir un glissement général de la société vers la droite. D'accord, la droitisation de la société, c'est une thèse. Si on veut parler en termes d'hégémonie culturelle, c'est l'hégémonie culturelle aujourd'hui, elle est au libéralisme économique, elle est au conservatisme de plus en plus, elle est à la xénophobie de plus en plus, au racisme de plus en plus, et ça c'est une tendance française, européenne et même mondiale si on voit les États-Unis à l'heure actuelle. Bon, ça dépend des pays, mais on est dans cette tendance en France depuis quelques années. C'est une question d'hégémonie culturelle, ça se voit dans les médias, ça s'entend assez régulièrement. Et la droite est en train de gagner le combat des idées, mais ça fait déjà un moment, ça fait 30 ans qu'ils se battent pour gagner le combat des idées, et que la gauche l'a abandonné aussi. Au PS aussi, on a abandonné le combat des idées depuis un moment. Donc c'est pour ça que la gauche doit se réinventer. Après, donc je pense que oui, le PS est, est parti sur la droite, parce qu'aujourd'hui, pour que Martine Aubry paraisse comme quelqu'un plutôt sur la gauche du PS, au centre du PS, au départ, Martine Aubry, c'est la droite du PS, donc bon... Bah, c'est quand même la fille de Jacques Delors, c'est la partie les européistes BA du PS, quoi, c'est pas... Après, et donc tu vois, avec la CMU et les 35 heures, déjà, elle passe pour la gauche du PS, et aujourd'hui, c'est un peu... c'est une femme très à gauche. Non, elle est pas énormément plus à gauche que François Hollande. Bon, ensuite... L'orientation de Mélenchon, pour moi, Mélenchon, bah, c'est un social-démocrate. D'accord. Un social-démocrate au sens... C'est un peu la question qui est soulevée. ...historique du terme, c'est-à-dire que c'est au départ la social-démocratie, c'est un socialisme d'orientation plutôt marxiste qui veut changer les rapports de force entre le capital et le travail en s'appuyant sur les syndicats. Ça correspond plutôt à Jean-Luc Mélenchon. C'est pas un révolutionnaire, c'est pas le grand soir, Jean-Luc Mélenchon, quoi. Faut pas croire qu'il va... Enfin, il va pas faire la révolution. Malgré ses soutiens communistes, il n'est pas un communiste. C'est pas un bolchevique, c'est un réformiste. Voilà. C'est un social-démocrate. Alors après, la famille social-démocrate en France, elle est divisée en plusieurs... en plusieurs familles. Et à l'intérieur d'elle, il y a ce qu'on dit les socialistes, social-démocrates, plutôt la gauche rocardienne, et sociolibéraux, qui serait Macron. Mélenchon, il est sur la gauche, c'est un socialiste à tendance républicaine, voilà. Mais c'est un social-démocrate au sens large du terme, oui. Mmh. D'accord. Et donc, du coup, très brièvement, la dernière question, c'est pour revenir une fois de plus sur cette expression définitivement bien utile. Si on admet que le PS, et si selon vous, le PS est devenu social-libéral et que Jean-Luc Mélenchon est social-démocrate, est-ce que ces deux tendances idéologiques sont incompatibles en termes de... de gouvernement. Est-il possible de mener une politique qui corresponde à ces deux courants idéologiques si on est président et qu'on a une majorité? J'ai pas dit que tout le PS était social-libéral, attention, parce que justement, les personnes les plus social-libérales au PS sont en train de ficher le camp chez Macron. Et ça se voit au nombre d'adhérents du PS qui rentrent chute libre quand même. Et non, le... C'est pas dans rapport, ça. De quoi? Pas forcément exactement un rapport, ça. Non, mais ça va aussi avec. Enfin, non, la chute des adhérents va dans les deux sens. Les gens de la gauche du PS, les gens de la droite du PS, ces dernières années, bon, on a perdu du monde. Après, voilà, c'est pas forcément le symptôme le plus important. Mais est-ce que c'est irréconciliable avec le social-libéralisme à la Macron? Oui. Avec la frange de la social-démocratie plus proche de Michel Rocard, représentée par... par le PS, ce qu'il y en a aujourd'hui, enfin Benoît Hamon, c'est un rocardien. Pour moi, c'est pas incompatible, mais le problème de base, et c'est un problème dont on n'a pas du tout parlé d'ailleurs pendant la campagne des primaires, je pense que la différence se fait sur la vision de l'Europe. Et le fait que le Parti Socialiste ait fait de l'Europe depuis des années déjà une espèce de totem... auquel on ne veut pas toucher, de tabou. Et c'est ça le principal problème aujourd'hui, parce que tous les programmes, ils auront beau faire des bons programmes, à partir du moment où ils ne prennent pas en compte la problématique européenne, ça posera problème, et Benoît Hamon, il ne l'a pas fait. Et c'est un point de désaccord profond avec Mélenchon. D'accord. Mais aussi avec Arnaud Montebourg, hein, c'est une fracture aussi à l'intérieur du PS. Mmh. Très bien. Beaucoup de choses, Monsieur Roland.
À vous. Oui, je veux bien que tu me poses des questions. Oui, alors, très bien, je vous rappelle. Votre point de vue, votre opinion sur cette question est réellement intéressant, puisque, on le rappelle, vous faites partie du Parti Socialiste. Êtes-vous d'accord avec ce qualificatif de glissement sémantique de social-démocrate vers social-libéral pour désigner le PS? Comment est-ce que vous qualifieriez l'orientation mélenchonienne? Et ces deux orientations sont-elles pour vous irréconciliables comme l'a théorisé Manuel Valls? Je doute que Manuel Valls réussisse vraiment à théoriser quoi que ce soit au cours de sa vie. La gauche irréconciliable, c'était plutôt une phrase bien c'est malheureuse qui demande des garanties à Benoît Hamon. Lui disent qu'il a la responsabilité du rassemblement. Et la responsabilité, quand il le dit, responsabilité complète. En bref, l'effort n'est pas à faire chez eux. Et donc ça, c'est quand même une grosse incertitude. Oui, c'est parce que bon, c'est l'idée de dire, nous on a dirigé pendant 5 ans, là t'es candidat, donc c'est toi qui assumes le bilan maintenant, alors que tu l'as combattu dans les mots pendant la primaire. Mmh. Ce qui met Hamon dans une situation très délicate, mais donc qui pour moi fait que j'imagine mal Hamon se retirer pour Mélenchon. Moi aussi, Mélenchon se retirer pour Hamon, de par son caractère, déjà, je l'imagine mal, de par le fait qu'il a dit qu'il voulait surtout pas transiger sur le programme, je l'imagine mal, parce que bon, malgré le fait qu'il y a, il y a des similitudes dans le programme, faut pas mentir là-dessus, il y a aussi des grosses différences sur certains points, et je pense pas que Mélenchon ait envie à l'heure actuelle de transiger, parce qu'il le dit lui-même de manière publique, que ce serait dangereux de se démentir lui-même en faisant ça. Il a dit qu'il ne voulait pas faire de tambouille, de concession. C'est aussi l'avantage de sa démarche un peu solitaire. Il n'est pas tout seul à écrire un programme hein, ça, là-dessus, mais bon, solitaire dans le sens c'est le candidat d'un programme et d'un mouvement. Sans primaire, sans type d'élection comme ça, l'avantage pour lui, c'est qu'il a un programme clair maintenant et qu'il n'a pas envie de s'arranger dessus avec d'autres personnes. À la limite, avec les Verts, il pourrait s'arranger dessus, mais je l'imagine mal s'arranger avec le PS dessus. Bon, là-dessus, ce qui fait que Mélenchon, je l'imagine mal sortir aussi. Donc, dans tous les cas, on risque d'avoir deux, voire trois candidats si Jadot peut. Je pense que bon, c'est peut-être, enfin c'est une question intéressante, mais ça reste encore du domaine oui, de la science-fiction politique. Oui, c'est de la science-fiction. Là, à l'heure actuelle, personne ne va se retirer pour personne. Voilà, mais on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et l'élection présidentielle n'est que l'élection présidentielle. Et la gauche, je pense, le sait. Voilà, il y a les législatives derrière, et les législatives c'est encore une chance pour la gauche de faire valoir ses idées et peut-être de se rassembler. Moi, pour les législatives, j'ai un peu peur dans le sens où... Bon, alors, j'ai lu tout à l'heure aussi que la droite est en train de flipper à cause de, pour les législatives, les élus locaux les locaux qui se présentent aux législatives sont en train d'avoir sérieusement peur à cause de toutes les affaires qui tournent autour de leurs candidats. Que ça leur nuise à eux aussi ? Oui, bah oui, ça va leur nuire, évidemment. Mais ça va nuire à la campagne de Fillon, hein, faut pas se... Oui, bah ça c'est sûr, mais du coup... Non, parce que non, il y a eu des périodes avant où, bon, des attaques contre Sarkozy, ça à l'époque, ça lui avait rien fait. Mais là, à partir du moment où les gens ont voté Fillon, parce que marre de Sarkozy, marre de Juppé, marre des affaires, et donc où ils ont voté pour Fillon, pour quelqu'un qui a un minimum de tenue et d'honnêteté, et ben, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, ça leur a mis un sale coup. Et moi, je pense que ces gens-là qui ont voté à la primaire de droite ou qui soutiennent Fillon dans l'idée, à l'élection présidentielle, soit ils vont voter FN, soit ils vont pas voter. Et je les vois mal voter Macron parce que c'est une partie de la droite qui vote pas Macron. Mais bon, c'est mal parti pour Fillon. Mais c'est mal parti pour tout le monde, c'est ça qui est étonnant. C'est qu'à l'heure actuelle, eh ben franchement, aux législatives, il y a possibilité qu'il n'y ait ni la gauche, ni la droite, ni Macron, ni le FN qui n'ait de majorité parlementaire. Donc ça va être le bordel, comme sous la 4ème République à la fin. Parce que le FN, là, il y a une étude qui a été faite là-dessus, qui en prenant dans les circonscriptions, les scores du FN, enfin calqués sur les circonscriptions pour les législatives, les scores du FN aux européennes et aux régionales,
qui sont des élections différentes. Et c'est pour donner une idée du potentiel du FN, avec ces scores-là, donc sans voir qu'il y a une potentielle évolution du score du FN avec le Brexit et avec l'élection de Trump, qui compte aussi, il ne faut pas l'oublier, le FN avait un potentiel de 80 députés sur 577. 80, ça ne veut pas dire qu'ils vont en avoir 80, ça veut dire que potentiellement, ils peuvent gagner 80 circonscriptions. Bon, et s'ils font un bon score à la présidentielle, ça va augmenter. Mais ce qui fait que le FN, comme à l'époque, les gaullistes à droite, les communistes à gauche, vont bloquer le fait d'une majorité parlementaire. Donc c'est vrai qu'il y a possibilité qu'il y ait une majorité parlementaire au centre, avec En Marche, une partie de la droite, une partie de la gauche en 2017, mais on ne saura pas ce qui va se passer. Donc c'est tellement incertain que, franchement, faire des suppositions, bon là j'étais en train d'en faire un peu, mais c'était pour montrer que c'était incertain. C'est tellement incertain pour la présidentielle comme pour les législatives, à l'heure actuelle on ne peut pas dire qui va gagner. La seule chose dont je suis sûr, moi, c'est que dans les têtes, la droite a gagné. Et moi, ce que je pense, c'est que la façon dont les différents mouvements de gauche vont réussir à dialoguer va beaucoup impacter sur le résultat des législatives, et peut-être que ça peut être très positif pour la gauche. Ah, un message d'espoir. Très bien. Eh bien, messieurs, nous arrivons à la fin de notre débat. Si vous avez un dernier mot à dire à nos chers auditeurs, je vous en prie. Rien pour vous, monsieur Roland? Non, j'étais... Monsieur Barry-Maric? Non, bah moi je leur dis pas d'aller voter pour quelqu'un, mais je leur dis d'aller voter déjà en 2017. Ce sera un bon début. Super! Merci encore à nos deux intervenants. C'était pour Élysée 2017. Surtout dans la bouche d'un Premier ministre. Ça fait plaisir à entendre. Je sais que Mélenchon a pu lui-même utiliser des phrases fortes, mais il n'était pas dans la position d'un Premier ministre. C'est vrai que, comme le disait Sylvio Barré-Maric, on est en Occident, c'est vraiment le monde occidental pour moi. Il y a une victoire de la pensée de droite, et parce qu'elle répond à un monde occidental qui, quelque part, est dans des peurs d'un monde ancien et qui a peur d'être dépassé par le nouveau monde, la Chine, même l'Afrique, l'Amérique du Sud, enfin bref. Après, est-ce que le Parti Socialiste procède à un glissement Il a glissé, oui, et j'en reviens sur mon idée de l'absence de centre en France pendant, après Valéry Giscard d'Estaing. Je considère que François Bayrou, finalement, n'a pas réussi à vraiment être l'héritier. Non, c'est vrai, il n'a jamais réussi à avoir des députés. Donc voilà, et donc où sont allés les centristes? Ils sont allés à la fois au Parti Socialiste et RPR, UMP et Républicains. Voilà, et aujourd'hui avec Macron, je pense qu'il va y avoir un rééquilibrage dans la balance. Macron, je pense qu'il va récupérer ce monde centriste, et je pense que le Parti Socialiste peut revenir à ses idées et à ce qui est représenté dans son logo, à sa rose, au socialisme, à l'écologie. Et en cela, le Parti Socialiste peut tout à fait se concilier avec le mouvement que lance Mélenchon, parce que je l'appelle comme ça, parce que c'est un mouvement qui s'élance derrière une personne charismatique et qui s'impose à gauche en annonçant c'est moi la vraie gauche et je vais la défendre. Maintenant, il ne peut plus le dire, puisque Hamon, présente un programme qui est quand même sur la majorité des thèmes très proche de Mélenchon. D'ailleurs, Mélenchon l'admet et Hamon l'admet aussi. Et après, la dernière question, c'était... Donc, elles sont...
Elles sont, donc si je résume... Elles sont réconciliables. Elles sont conciliables. Mais vous dites un petit peu comme M. Barré-Marie que du coup, il y a au sein du parti des forces en présence qui évoluent, et il y a eu un décalement social-libéral à cause d'un mouvement de fond qui allait vers le centrisme pour une partie du PS, mais Benoît Hamon représentant une gauche plus à gauche du PS, là, dans ce contexte-là, c'est conciliable. C'est conciliable. Et d'ailleurs, enfin, les électeurs de gauche, en nommant Hamon comme le représentant comme représentant du Parti Socialiste à la présidentielle, ça montre que le Parti Socialiste est toujours vécu à la fois à l'intérieur et toujours vu à l'extérieur comme un parti de gauche, social-démocrate, qui défend les idées de gauche. Ben si, c'est vrai que... Mais ça, c'est autre chose. Comment ? Par les Français. Quand on parle en vote, c'est ce qu'ils ont montré en émission. Non, mais du coup, c'est ce qui est intéressant. C'est pour ça que pendant une partie de sa campagne, Jean-Luc Mélenchon est parti au début, avant que Fillon gagne la primaire, sur un axe beaucoup plus populiste. C'est parce que le mot gauche, en France, pour une partie de la population qui n'est pas politisée comme nous, ne veut plus rien dire. Le mot gauche, pour une partie des Français qui n'est pas politisée comme nous, ne veut plus rien dire. Pourquoi ? Parce que la gauche, dans l'imaginaire des Français, au départ, il y a un côté égalité sociale, il y a une volonté de progrès social. Et justement, ce qui a été fait par les gouvernements les 5 dernières années a totalement brouillé les cartes. A brouillé les cartes d'un point de vue politique. Parce qu'on s'en retrouve aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pas étonnant, avec Macron qui a une étiquette gauche dans les médias. C'est pas ça le plus important, c'est que les gens, quand on leur dit gauche, donc si je dis par exemple, je sais pas, je suis du PCF, je suis d'Europe Écologie, je suis de gauche, ah c'est comme le PS, ça sert à rien. Et donc c'est vrai. Je pense que le mot gauche, que le mot droite a toujours pu paraître quelque chose d'obscur pour une certaine partie de la population française, et en même temps a toujours eu du sens, et a encore du sens pour une bonne partie de la population française. Je dis pas qu'il faut l'abandonner. Oui, je dis non, juste il y a une perte de sens des mots gauche-droite. Mais c'est aussi dû au fait que la droite est en train de gagner une hégémonie culturelle. Non, je pense que ces clivages existent toujours, et tu peux les revoir renaître. Il y a des vieux clivages qui renaissent d'ailleurs, enfin par exemple, entre républicanisme et Église. Si, bien sûr. Parce que justement, si le clivage était clair, il n'y aurait pas Macron. C'est ça la différence. Non, ça n'empêche pas l'existence d'un centre, ça n'empêche pas l'existence d'un Emmanuel Macron. D'ailleurs, c'est assez intéressant là-dessus. C'est les études faites par les historiens montrent que les élections où il y a le plus de participation et où la gauche en général a gagné, ou celles où il y a eu le plus de volonté de faire de la politique, ce sont les élections où le clivage gauche-droite était le plus clair. Aujourd'hui, le clivage gauche-droite n'est pas clair en partie à cause du PS, à cause d'Emmanuel Macron et à cause de la position de tous les partis politiques qui est extrêmement flou sur l'Union européenne et qui ne recoupe pas les clivages droite-gauche. Et ça, c'est intéressant. Parce que s'il n'y a plus de clivage droite-gauche clair aujourd'hui, il y a vrai que aujourd'hui... C'est vrai, non, mais que par période, le clivage gauche-droite est plus ou moins clair. Parce qu'il y a aussi d'autres clivages, enfin, la campagne et le monde de la ville, un monde catholique et un monde finalement assez athée, assez... Républicain. Oui, mais l'Europe, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que l'Europe, c'est un nouveau clivage à travers tous les partis qui arrive, mais en même temps, ça fait 30 ans qu'il arrive. Hein. Oui, mais pour l'instant, les partis n'arrivent pas non plus à réellement se positionner sur ce clivage-là. Ben oui, mais c'est ça le problème, ça brouille toutes les partis. On n'arrive pas encore à penser l'Europe. Mais et moi, je veux en revenir sur la question initiale. Le glissement social-démocrate vers social-libéral. Non, les gauches qui réconcilient. Les gauches, ça c'est, oui, il y avait ça aussi.
Sulio, tu disais tout à l'heure que la gauche avait perdu le combat idéologique. Je pense que c'est vrai, et à la fois, et je pense que toute la gauche est assez responsable pour ça. Je pense qu'on a, que la gauche n'a, enfin, finalement, c'est coupé, a coupé le lien qu'elle avait avec le monde intellectuel de gauche. Ok, génial. Enfin, ça me permet, ou alors c'est moi qui imagine un pont à chaque fois, mais ça me permet d'enchaîner selon moi. Enfin, en tout cas, la gauche a perdu cette bataille hégémonique idéologique. C'est en écho, ça renvoie à la traditionnelle critique qu'on fait à la gauche, qui est celle de la division, de l'incapacité à mobiliser toutes ces forces bouillonnantes dont on parle en son sein pour être plus fort que la droite. Et donc, du coup, je voudrais vous poser une paire de questions complètement triviales et politiciennes. Mais en termes de stratégie électorale, pour vous, quel candidat devrait se rallier derrière l'autre dans le sens qui aurait le plus de chances de gagner face à la droite et à l'extrême droite et même aux autres candidats? Donc bon, évidemment, je parle principalement de Benoît Hamon et de M. Mélenchon. Et une autre question triviale, c'est est-ce que ce serait même envisageable et possible dans le sens de est-ce que les électorats respectifs de ces deux candidats suivraient, serait-il possible de les faire adhérer à un mouvement comme ça? Très bien, je crois que pour cette fois-ci, c'est Monsieur Roland qui doit commencer. Bon, je pense que la gauche... elle est très forte parce qu'elle est capable de faire des grands consensus. Et je pense qu'elle en sera encore capable dans le futur. Dans le futur proche, c'est très difficile d'avoir. Je pense que chaque candidat, et j'imaginais que tu parlais de Mélenchon, de Jadot et de Hamon, eh bien, chacun a des défauts et des avantages qui fait que il pourrait avoir, il pourrait être en position de force dans un éventuel rassemblement de ces trois candidats, de ces trois forces politiques. Mélenchon a un grand charisme, il arrive à vraiment incarner des idées. Mais en même temps, c'est un personnage clivant, qui n'arrive pas à parler finalement à toute la gauche. À côté de ça, Benoît Hamon, a un caractère beaucoup plus posé et en même temps il est dans une situation difficile où il ne peut pas s'imposer face à Mélenchon puisque dans les sondages il y a quelques jours et pour Le Monde qui arrive à faire des titres qui ne sont pas vraiment d'actualité, Benoît Hamon et Monsieur 7%. Et en même temps, dans Le Figaro hier, il dépasse Mélenchon, d'après le sondage commandé pour Le Figaro. Mm-hmm. Donc, et celui du Monde date de quand? Le Monde, le deuxième tour. Oui, voilà, c'était un sondage dans l'entre-deux tours. Très bien. Où Mélenchon était largement au-dessus de Benoît Hamon. Et là, avec Le Figaro, c'est Hamon qui est quand même largement au-dessus en point de pourcentage, au-dessus de Mélenchon. Mm-hmm. En ce qui concerne le sondage du Figaro, les commentateurs ont parlé de la porosité, du coup, de cet électorat qui, entre deux sondages, se serait déporté de Hamon à Mélenchon. Bon, nous parlons de sondage ici avec les plus grandes précautions. Oui, je pense que le peuple de gauche a encore envie de gagner et a encore envie d'être représenté. Et Jadot, donc, l'inconvénient, c'est qu'il a été élu par un parti qui ne représente plus rien. Mais finalement, c'est peut-être aussi son avantage, c'est que finalement, c'est peut-être celui qui peut tendre la main à la fois à Mélenchon et à Benoît Hamon et à faire en sorte à ce que Mélenchon et Hamon se rejoignent. Et on est dans un scénario de science-fiction politique. Oui, c'est tout à fait ça. Jadot pourrait être le candidat d'un front commun de gauche. Très bien. Et est-ce que vous dites de par même sa faiblesse politique institutionnelle, vous voulez dire?
de par cette situation un peu moins favorisée, il est crédité de 2% d'intention de vote dans les sondages. Ouais, il serait le plus à même par rapport à Hamon et à Mélenchon pour le faire. Ouais. Très bien. Il a déjà rencontré Hamon aujourd'hui. Oui. Très, très, très intéressant. Je suis sûr que Mélenchon serait tout à fait d'accord pour aller rencontrer Jadot. Oui. Mais non, il l'a dit. D'accord. Et d'accord. Donc vous avez répondu à une question et vous avez répondu au fait que le peuple de gauche ayant, enfin je le comprends comme ça, le peuple de gauche ayant encore envie de gagner, oui, les électorats pourraient suivre et faire une union arriver. Monsieur Barré-Maric. Tu peux répéter la question. Alors. En termes de stratégie électorale, mais voilà, vraiment dans une perspective altruiste, quel candidat devrait faire quelle manœuvre politique et se rallier à telle personne, à tel autre candidat, parce que c'est lui qui est le plus à même de faire gagner la gauche, notamment sur la droite et l'extrême droite. Et le problème qui se poserait éventuellement, est-ce que les électorats respectifs des candidats en question pourraient suivre une manœuvre comme celle-ci et y adhérer? Bon, d'un point de vue sur leurs paroles récentes, y en a aucun des trois qui va se retirer. Hamon a dit... Dans tous les cas, il y aura un bulletin Hamon le jour du vote. Mélenchon a dit « Je serai candidat quoi qu'il arrive le jour où il a eu ses 500 signatures et il l'a redit récemment. » Et Jadot a dit « Il y aura un bulletin Jadot. » Jadot, c'est plus compliqué parce que c'est pas sûr qu'il ait ses 500 signatures. Surtout, les maires qui auraient pu potentiellement lui donner vont peut-être ne pas lui donner pour favoriser Hamon. C'est possible. C'est compliqué aujourd'hui de donner les signatures parce qu'il y a... Elles doivent être rendues publiques pour cette élection par les maires et autres élus. Et donc on voit qu'il y a plus de difficultés à donner les parrainages à cette élection qu'aux précédentes élections. Et donc là, bon, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des discussions, mais il ne va pas y avoir de retrait, tout simplement parce que si Hamon ne pourra pas se retirer pour Mélenchon, tout simplement parce que derrière... Il y a tout l'appareil du PS qui déjà est en train de lui dire donne-nous des gages pour pas qu'on se barre, en gros, donc du coup droitise ton discours. Et donc voilà, donc ils vont pas vouloir se retirer, eux, pour Mélenchon, avec lequel ils sont en grand désaccord, et avec lequel personnellement ils s'entendent plus depuis des années, c'est connu. Et là-dessus, donc voilà, là-dessus c'est... Ça me semble un peu compliqué du fait de l'appareil PS, pas du fait de Hamon qui, lui, a l'air bon, plutôt de meilleure volonté qu'eux, on va dire, même si c'est quelqu'un de beaucoup plus calculateur que l'image qu'il en donne, hein, c'est quand même un magouilleur professionnel au PS, comme ils le sont tous, comme Mélenchon l'a été. oui, non, mais ils le sont tous, hein, c'est pas... Mais je pense qu'Hamon est quelqu'un de beaucoup plus honnête là-dessus que tout l'appareil du PS qui est en train de... et des anciens ministres qui sont en train de demander à Hamon... droitiste au discours, et puis comme ça on s'en ira pas chez Macron. Et d'ailleurs c'est peut-être dans ce sens-là que on est en train de dire que Hollande donnerait d'ici très peu de temps son soutien à Benoît Hamon. C'est sorti aujourd'hui, bon après est-ce que ça va se faire, on va voir, mais apparemment c'est dans les cartons. De l'autre côté, Mélenchon ne veut pas non plus se retirer pour Hamon. Pourquoi? Vous vouliez réagir, monsieur Hollande? Parce que vous avez fait le Hamon, vous gardez en tête que vous parlez. Du Parti Socialiste, il y a quand même une grosse incertitude sur ce qui va se passer dans les prochains jours, dans la mesure où, quand même,